Monsieur Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour, madame. Alors, la gestion des affaires de la nation est fortement impactée par des questions de relations internationales qui sont prégnantes, pressantes et qui mettent les gouvernants face à des choix difficiles et parfois même très difficiles, nécessitant la mobilisation d'une forte diplomatie, des politiques publiques efficaces et des moyens financiers importants pour faire face à des défis nouveaux qui menacent la sécurité des États et des populations pour leur développement ou dans leur développement et leur émergence. C'est des principes réitérés encore une fois par le président de la. La république lors euh, du conseil des ministres qui s'est tenu hier et la récente réunion Wally-gouvernement après remaniement bien sûr ministériel et celle euh, des Wali. c'est une feuille feuilles de route qui trace la voie de la construction pour l'émergence en plaçant bien sûr le citoyen au cœur de toutes les politiques publiques monsieur euh, Rassimi vous avez bien fait de nous rappeler un peu ces deux réunions qui sont très très importantes c'est la réunion Wali gouvernement et la réunion d'hier du conseil des ministres Bien sûr, nous commencerons par la réunion d'hier euh, du Conseil des ministres. Donc c'est une réunion qui est très très importante. Et il faut le souligner qu'il y a eu des mesures très très importantes qui ont été prises par le Président de la République. D'abord, il y a eu une mesure à caractère général sur laquelle nous devons absolument revenir, c'est qu'il a instruit tous les ministres du gouvernement de procéder rapidement à la révision de tous les dispositifs législatifs qui bloque ou empêche le développement le d'une manière générale, ou qui empêche la mise en œuvre de la feuille de route du président de la République et de son programme d'action. Maintenant, il y a d'autres mesures à caractère sectoriel et qui sont très très importantes aussi, sur lesquelles nous devons revenir rapidement. C'est d'abord le secteur de l'agriculture, d'avoir autorisé l'importation du matériel de moins de 5 ans compte tenu du déficit encore enregistré dans ce domaine en matière de production de matériel agricole. Et là, ça doit, l'objectif, c'est de permettre aussi au président de la République de réaliser les objectifs en matière de production serrés à l'IR. Ça, c'est très, très important. Vous savez qu'en matière de sécurité alimentaire... L'Algérie euh, a subi, comme tous les pays du monde, une période très très difficile, la Covid, la guerre d'Ukraine. Et là, vous, des problématiques de sécurité alimentaire se sont posées avec force et acuité. Il y a également d'autres questions importantes. C'est la réforme qui a été également sur laquelle il y a eu des décisions très importantes du président de la République. C'est la réforme de l'enseignement supérieur en mettant l'accent sur. Le, les sciences, les mathématiques et la technologie, ça c'est très très important, et de mettre en place aussi des, des passerelles entre le monde économique et l'université. Ça c'est des objectifs qui sont importants, stratégiques, qui doivent permettre à la aussi, de se moderniser et de se placer aussi au niveau du podium des nations les plus compétitives et les plus concurrentielles. Il y a eu bien sûr d'autres questions importantes qui ont été également abordées sur lesquelles nous ne pouvons pas exam les examiner euh, euh, et qui demandent encore plus de. De temps. Et on les abordera. Alors, les citoyens au cœur de toutes les politiques euh, publiques, M. Kassimi, c'est le nouveau modèle de gouvernance qui consacre aujourd'hui la transparence, puisque le gouvernement présentera aussi ce matin son bilan d'action annuel de l'exécutif. Vous savez, c'est le programme de politique générale annuelle qui sera présenté par le Premier ministre à l'Assemblée populaire nationale sera une occasion pour ouvrir, permettre aussi aux représentants. Du peuple et représentants de la nation d'ouvrir des débats très très importants sur des questions d'actualité, sur des questions d'avenir, c'est des questions du futur et qui vont impacter le développement de l'Algérie de manière significative, de manière très forte. Il ouvre bien le sûr, débat. C'est un débat qui sera ouvert, bien sûr, et qui permettra aux représentants de la nation de faire des évaluations de la mise en œuvre et du niveau de la mise en œuvre du programme d'action du, du président sur lequel, bien sûr, il y a eu dernièrement et vous l'avez tous euh, entendu, il y a un remaniement du gouvernement. Il y a eu des ministres qui sont partis pour la Saint-Présent que les objectifs du président de la République et sa feuille de route n'ont pas soit elles ont connu des retards ou alors il y a eu bien sûr euh, une absence de mise en œuvre effective des objectifs et du programme d'action du président de la République. Et là il nous reste encore trois mois pour boucler la fin de l'année 2022. Croyez-moi que les objectifs de, sur le plan économique du président de la République ont été affichés, c'est de réaliser cette. 7 milliards l'équivalent de 7 milliards de dollars de, de, de recettes. Et là, cet objectif, si on le compare, si on doit comparer à l'année passée, l'année passée, le solde budgétaire de l'Algérie a été très positif. Ça, ça a permis à l'Algérie de dégager un excédent budgétaire d'un milliard et demi de dollars, alors qu'en 2019, nous avons eu un déficit budgétaire de l'équivalent de 9 à 10 milliards de dollars. Et nous avons également réalisé des recettes d'un niveau exceptionnel que nous avons jamais réalisé de l'équivalent de 5 milliards de dollars. Donc, les potentialités de l'Algérie sont très très importantes. Elles doivent permettre au président de la République non seulement de mettre en œuvre sa feuille de route et son programme d'action, mais aussi d'améliorer le, le confort, d'améliorer la sécurité, la sécurité de la population dans une conjoncture internationale difficile, chrysogène, et sur laquelle les populations Mondial ont été abandonnés à une inflation sauvage, à une inflation très, très difficile qui a, est en train d'élargir malheureusement le champ de la pauvreté et du chômage. Mais cet exercice qui ouvre le débat pour une évaluation de l'action de l'exécutif par le législatif consacre un nouveau modèle de gouvernance puisque c'est constitutionnalisé, M. Racine Vous savez que la démocratie, c'est un, un exécutif et une assemblée législative qui contrôle le gouvernement. Donc euh, le, la, la réunion de, de l'Assemblée populaire nationale pour examiner le programme annuel du gouvernement est une occasion de mettre en pratique ces principes démocratiques d'évaluation, de, 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 de critique euh, et aussi d'interpellation des, des membres du gouvernement sur certaines questions d'intérêt national, sur des questions sectorielles et bien sûr, et pourquoi pas, sur des dysfonctionnements, parce qu'en matière de gouvernance, vous avez vu que le talent d'Achille euh, de nos institutions, c'est que nous avons encore quelques institutions et des services publics très importants qui ne se sont pas encore mis aux normes universelles en matière de gestion, en matière de, 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 de fonctionnement, de fonctionnement aux normes bien sûr universelles qui sont connues et qui permettent de, de réaliser des objectifs très très importants. Nous avons des services publics qui doivent aussi se moderniser euh, rapidement. Et là, c'est un peu la feuille de route euh, du, qui sera présentée à l'Assemblée populaire nationale et qui contient à peu près plus d'une centaine de propositions en matière de réforme, en matière de mise à niveau, de restructuration. Et de bien sûr de, de réalisation de projets importants. Alors euh, la volonté de l'État, réitérée par le président de la République, c'est mettre fin à la gouvernance antérieure avec de nouvelles pratiques qui sont aujourd'hui adoptées, qui consacrent un peu la transparence en plaçant bien sûr le citoyen au cœur de toutes les politiques publiques. Mais il y a aussi d'autres aspects sur lesquels l'État se déploie. L'État algérien est mobilisé sur plusieurs dossiers de politique publique stratégique et de politique internationale et régionale qui font de notre pays un partenaire écouté, crédible et efficace a été réitéré à l'occasion bien sûr de la tenue prochaine du sommet de la Ligue arabe le 1er et le 2 novembre prochain puisque des invitations multiples ont été adressées à des euh, chefs d'État, à des souverains et des, euh, des, euh, des, euh, des secrétaires généraux de grandes organisations comme des Nations Unies qui ont confirmé leur participation. Le déploiement diplomatique de l'Algérie aujourd'hui euh, est important. Vous posez en même temps plusieurs questions et sur lesquelles je pourrais peut-être venir à deux aspects importants. Le premier aspect, avant d'aborder la réunion du, de la Ligue arabe, euh, je voudrais d'abord euh, vous, vous dire que les problématiques qui ont été posées par euh, le président de la République lors des deux réunions le, du gouvernement et de, 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 de Wally, euh, du Conseil des ministres et du gouvernement. C'est des problématiques qui sont importantes. Et alors là, pour faire la liaison avec la prochaine réunion du sommet arabe, qui est une réunion importante qui intervient dans une situation exceptionnelle, euh, a dû mettre à l'épreuve notre diplomatie qui a pris en charge ce dossier dans des moments très difficiles pour la simple raison que le terrain était plus ou moins euh, entaché de, euh, de, de pas mal de, de, de difficultés de, sur <coughs> des questions sensibles, sur des dossiers sensibles et l'Algérie a dû certainement... Euh, Déminer un terrain, d'un terrain euh, qui était parchemé, jonché de, 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 de problèmes. Et là, vous deux, vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères, dernièrement, déclarer que l'Algérie était prête sur le plan matériel, organisationnel et logistique. Et bien sûr, et la mise en œuvre de, de l'ordre du jour de, sera certainement le point le plus le plus important. Nous devons permettre aussi euh, aux chefs d'État et rois... Arabe de prendre en charge des défis, des problématiques qui sont importantes. D'autant plus, vous devez le savoir, que le sommet de la Ligue arabe ne s'est pas réuni depuis trois années. Ce n'est pas uniquement à cause du Covid ou d'autres problèmes c'est qu'il y a eu des dissensions très très importantes aussi qui ont empêché cette réunion de se tenir. À la date et à, euh, à l'heure convenue. Mais là, l'Algérie, la, la prouesse de l'Algérie, c'est d'avoir réussi d'abord à plénir les dissensions, d'aplanir à, à les divergences, et aussi de réussir, de réunir le consensus qui est très, très important euh, et qui va permettre à cette réunion de se tenir dans des conditions tout à fait normales. Et aussi, euh, l'objectif, ce n'est pas uniquement à l'occasion de cette réunion de se réunir pour se réunir, mais aussi de se réunir pour sortir avec des résolutions fortes devons permettre aux, à la nation arabe d'être en rang serré pour la prise en charge de, des défis qui se posent dans un monde, dans un monde qui menace, dans un monde instable et dans un monde qui ne vous donne aucune chance si vous n'êtes pas fort. Alors la volonté première, c'est unifier les rangs arabes et régler <coughs> toutes les divergences pour un consensus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, M. Qassimi euh, euh, au vu des attaques subies subit l'Algérie, il y a une volonté de saper cette réunion du sommet de la Ligue arabe Est-ce que les attaques subies l'Algérie sont euh, bien sûr orchestrées pour un peu saper ce sommet Vous savez, les le déploiement bien sûr diplomatique de l'Algérie. que les tentatives de sabordage de cette réunion qui doit se tenir à Alger le 1er et le 2, euh, on les a. On les a euh, Enregistrés et on les a aussi euh, remarqués dès que l'Algérie a commencé à préparer la tenue de cette réunion à Alger. Bien sûr, il y a eu. Des, euh, de très fortes pressions pour pouvoir un peu reporter la tenue de cette réunion et pourquoi pas l'annuler. Et ça et fait là, un peu circuler des rumeurs sur son et annulation. Là, et ordre. là, croyez-moi que l'Algérie a dû utiliser toute sa diplomatie, son expérience, son capital. Et vous avez vu que notre ministre des Affaires étrangères, M. Hamdan Lamamra, a pris son battant de pèlerins à travers toutes les capitales arabes pour convaincre, pour essayer de rallier pratiquement ces pays à la cause algérienne vont absolument euh, permettre de réunir euh, tous les chefs d'État et rois arabes qui ont confirmé et qui ont reçu des invitations officielles de l'Algérie et qui ont confirmé leur participation à cette réunion. Mais qui est derrière ces manœuvres de s'abordage de la tenue de ce sommet aujourd'hui, Monsieur Mahassan Kassimi? Vous savez, l'ennemi de l'Ouest, pour ne pas encore envenimer la situation, a employé tous les moyens dont il a l'habitude d'utiliser sur le plan régional et dans le monde arabe pour essayer de saborder et de reporter la tenue de cette réunion. Donc c'est des manœuvres sournoises, c'est des manœuvres qui euh, reflètent un peu une attitude, une attitude qui s'éloigne de plus en plus des traditions diplomatiques, de la morale et du respect des principes de bon voisinage. Et vous avez vu que l'Algérie n'a pas tenu compte de toutes ces manœuvres et qu'elle a permis le luxe d'envoyer une invitation au roi du Maroc. Et vous avez vu notre ministre de la Justice se déplacer au Maroc et remettre l'invitation au ministre des Affaires étrangères pour que le roi du Maroc puisse assister à cette réunion. Et cette action de l'Algérie sur le plan diplomatique a été grandement apprécié sur le plan international. Alors, M. Hassan Kassimi, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction où on en parlait dans la première des manœuvres de déstabilisation de l'Algérie qui sont aujourd'hui orchestrées par des parties euh, étrangères et même des parties intérieures à l'intérieur euh, du pays. Euh, vous avez quel est votre commentaire justement par rapport à cette question euh, relative aux 27 congressistes américains euh, qui demandent au ministre des Affaires étrangères euh, Blinken d'intervenir et même Imposer des sanctions à l'Algérie. Pourquoi cette requête intervient à ce moment précis Quelles sont les manœuvres Quels sont les dessins Vous savez, il y a bien sûr des manœuvres souterraines et qui sont belliqueuses, qui se développent et qui sont mouvantes, dans l'objectif est de porter préjudice à l'Algérie. Bien sûr, il y a eu plusieurs actions. Il y a eu euh, la requête des 27 euh, députés américains et vous devez savoir que le Congrès américain, euh, dans sa composition, nous avons à peu près 437 députés. Donc euh, c'est une requête des 27 députés qui a été adressée au ministre des Affaires étrangères Blinken pour demander d'infliger des sanctions à l'Algérie. Et là, croyez-moi que le ministre des Affaires étrangères Blinken, à plusieurs reprises et dernièrement, a, contrairement à l'action de ces lobbies sionistes qui se développent euh, de manière euh, très très très... Euh, euh, sournoise et hostile euh, contre les intérêts de l'Algérie, les intérêts économiques, les intérêts sécuritaires, les intérêts militaires de l'Algérie et les intérêts régionaux de l'Algérie. Donc euh, Anthony Blinken a fait des déclarations qui ont encensé l'Algérie à plusieurs reprises et qui considèrent l'Algérie comme un partenaire, d'abord un, un partenaire et un partenaire stratégique sur plusieurs euh, domaines. Euh, les Américains considèrent aussi, le gouvernement américain considère aussi l'Algérie comme euh, un pays qui est très très... Influent en matière de stabilité, de sécurité régionale et surtout en matière de coopération dans les domaines de la lutte contre la criminalité transnationale et aussi dans la, en matière de lutte contre le terrorisme. Donc l'Algérie est aussi un allié euh, fort, important euh, des Américains et ce qui explique un peu que ces tentatives euh, de certains lobby sionistes euh, qui sont en train de se développer pour un peu essayer de ralentir euh, le. Le, bien sûr les lobisonistes et, le, et le maroc et le marzen donc euh, dans l'activité l'hostilité est permanente mais dans les résultats sont sont insignifiants sur le plan régional et sur le plan international quand il s'agit de l'Algérie, qui est un partenaire écouté, qui est un partenaire crédible, qui est un partenaire sérieux, un partenaire influent. Et vous avez vu le ballet diplomatique des personnalités étrangères qui sont venues et visiter l'Algérie. Et là je dois vous dire autre chose qui est très très important, c'est que des détectives, des TikTok américains très forts, très puissants, qui ont noté, qui ont relevé avec force que l'Algérie est une étoile euh, montante, qui est influente et qui est stabilisatrice au niveau de la région. Et ça, ce n'est pas sans effet. C'est des études qui ont été faites sur euh, la situation régionale dans le Maghreb et en Afrique, qui ont fait que l'Algérie est un partenaire incontournable dans nos relations avec les Américains. Oui, mais justement, par rapport à cette question, il y a le secrétaire d'État américain au commerce qui a annoncé récemment sur euh, Twitter euh, sa visite prochaine dans notre pays. Il a réitéré encore que l'Algérie est un partenaire fiable et incontournable. Mais pourquoi ces attaques interviennent-elles maintenant Monsieur Rassimiste, ma question. Vous savez, il y a une volonté de vouloir parasiter la tenue du sommet arabe. Ça, c'est clair. C'est la réunification des rangs arabes. Vous savez, la consolidation, la consolidation de l'unité de la nation arabe et surtout, et surtout, les points importants inscrits alors du jour du prochain sommet arabe qui est en très 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 important et qui peuvent aussi déranger aussi certains intérêts sur le plan on y, régional et sur le plan international. Et l'Algérie, son objectif et sa préoccupation, ce n'est pas d'être leader sur le, dans le monde arabe, mais c'est d'être aussi un partenaire qui consolide, un partenaire qui unit, et un partenaire qui essaye de réduire les divisions et des bien sûr, de réduire les divergences. Ça, c'est très, très important. Et l'Algérie a réussi à le faire, vous devez le savoir. Le simple fait que cette réunion se tienne à la date prévue est déjà une grande réussite, pour la simple raison que des moyens très, très importants ont été mobilisés pour empêcher la tenue de cette réunion, de cette réunion qui intervient dans des conjonctures internationales très difficiles. Et le raffermissement des liens politiques avec les États-Unis sont très très anciennes. Il y a Kennedy qui a été parmi les premiers euh, sénateurs à euh, plaider pour l'indépendance de l'Algérie. Il y a eu aussi la libération des otages américains euh, en Iran par l'Algérie. Il y a eu aussi la, dans les années euh, 1700 la reconnaissance par l'Algérie de l'indépendance des États-Unis. Alors je voudrais revenir avec vous aujourd'hui sur une autre question de déstabilisation. On assiste aujourd'hui, M. Euh, Hassimi, à un retour discret des partisans de la... De la transition et de la subversion qui coïncide avec la suspension des activités de l'organisation Caritas en Algérie. Qu'est-ce qui se trame derrière les rideaux de la déstabilisation, monsieur Kassimi euh, Vous savez que si on doit enchaîner et mettre en relation tous ces événements, la, la requête des 27 députés américains, Caritas, euh, la réunion qui devait se tenir euh, sur CNews euh, qui a Bolloré qui est pratiquement Connu comme étant un colon invétéré, un bonhomme qui a pillé l'Afrique, qui a déstabilisé beaucoup de pays en Afrique, et qui continue aussi. Il faut dire que CNews est, est une télévision qui constitue le bras armé du, du racisme ou du visuel français, et qui est revenu à la charge pour essayer de déstabiliser l'Algérie, en invitant, pour ne pas citer le nom de ce... De ce terroriste de cette organisation terroriste qui à est inscrite inscrit à la tête du MAC, qui est inscrite en tant que telle. Mais à la dernière pas minute, l'émission a été annulée. La, 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 la réunion a été annulée parce qu'il y a des lobbies très forts en France qui pour ambition de torpiller les relations algéro-françaises et surtout l'architecture de coopération qui, était, qui, qui, qui a été mise en place par le président Abdelmajid Tebboune et par le président Ma -Ma Macron. Donc il y a une volonté de vouloir remettre l'Algérie et la France à la case de départ pour torpiller nos relations, nos relations qui sont en train de reprendre de reprendre sur des bases sur des bases saines. Bien sûr, pour revenir à Caritas, je dois vous dire c'est un dossier que je connais parfaitement. Les pouvoirs publics ont pris la décision de suspendre l'activité de cette organisation en Algérie pour la simple raison que dans le passé, celle Caritas a toujours activé de manière irrégulière, mais elle a été par les pouvoirs publics, mais là cette organisation, elle s'est déjà manifestée en 2015 à Tamandaréset quand ils ont installé la plateforme migratoire de Tamandaréset avec un certain nombre d'associations bien sûr qui ont des acquaintances et des affinités avec certaines organisations étrangères qui ont financé ces associations nationales pour euh, les, le, 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 leur permettre de faire de la sous-traitance, de la sous-traitance de certaines activités. En Algérie, sur le territoire national et particulièrement au niveau des localités frontalières. Devait que savoir que les localités frontalières du sud du pays c'est des localités qui sont sensibles sous la gestion du, de l'armée et le contrôle de l'armée nationale populaire. Et Caritas a essayé et elle a toujours essayé de se redéployer au niveau de ces localités au nom d'activités de soutien humanitaire en faveur de certaines population migratoire. Et là, croyez-moi que ce sont des interférences qui sont inacceptables dans le fonctionnement des institutions de l'État. Et il y a eu quand même une réaction du diocèse d'Alger disant que Caritas euh, n'est pas une ONG, une organisation non gouvernable, mais c'est un simple service du diocèse d'Alger qui, qui, qui fait de l'humanitaire. Et là, c'est faux, c'est tout à fait faux. Euh, J'ai fait une petite vérification, je suis rentré sur le site du Vatican, et là, sur le site officiel du Vatican, vous trouverez que... Caritas est une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire c'est une ONG, et qui a des redéplois, qui a des démembrements dans, ça, dans beaucoup de pays dans le monde. Et là, croyez-moi que comme c'est une ONG, l'ONG est soumise à la loi, elle doit avoir un agrément pour activer sur le territoire national. Et là, je dois vous dire, et je l'ai dit il y a de ça trois ans, que Caritas, dans son conseil d'administration... C'est un véritable nid d'espions qui a interféré dans le fonctionnement de beaucoup de pays en Amérique latine et qui a aussi participé à des coups d'État et qui a participé à bien sûr des activités subversives pour provoquer la chute de certains gouvernants au niveau de l'Amérique latine. Et vous devez savoir aussi que l'humanitaire a toujours été manipulé, instrumentalisé à des fins pour permettre à certaines parties étrangères de s'introduire sur des territoires, de le dominer et de les conquérir. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'agitation de certains activistes sur les réseaux sociaux qui essayent un peu de porter également préjudice à euh, l'Algérie à travers, bien sûr, la diffusion de fake news et de mensonges Est-ce que les mensonges sont devenus aujourd'hui des outils aussi de déstabilisation Monsieur euh, Hassan je vais, Je dois vous dire une chose qui est très, très importante. Vous savez que les plateformes euh, des réseaux sociaux, c'est des serveurs qui sont contrôlés par des bien sûr des multinationales et les multinationales c'est des lobbies très puissants qui sont euh, organisés et qui travaillent pour défendre des intérêts pour défendre des lobbies et aussi pour déstabiliser des états c'est les Alors, guerres soft c'est les guerres de dernière génération et vous avez eu bien sûr sur les réseaux sociaux des charlatans des charlatans des charlatans, sans citer les noms de ces personnages qui sont connus qui sont payés par des officines étrangères et qui sont là pour faire de la le, 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 et qui se sérigent en source d'informations crédibles pour diffuser des ragots, diffuser des informations sur, sur les réseaux sociaux en vue de provoquer le trouble, de provoquer de la désinformation et de manipuler la population. Et, et, là, vous CIP, savez, est la et là, sur, je voudrais aborder un point très très important, c'est la problématique de la souveraineté numérique. Et là, sur la souveraineté numérique, les pouvoirs publics, bien sûr, sont interpellés vivement pour euh, prendre en charge cet aspect, pour essayer d'intervenir et d'être présent de manière puissante dans les cyber-espaces, pour un peu euh, défendre, défendre les, les intérêts du pays, pour un peu... Contrecarrer euh, certaines campagnes de dénigrement qui sont menées contre le pays. Et là, sur ce sujet, je voudrais également dire un point très très important, c'est que en janvier 2020, il y a eu un décret qui a mis en place euh, un système, la, qui a mis en place un dispositif de sécurisation des systèmes d'information et une agence de, sécuris de sécurisation des systèmes d'information. Donc, il faudrait absolument accélérer la mise en œuvre de toutes ces, ces autorités pour pouvoir un peu euh, protéger notre souveraineté économique et notre sécurité nationale. Alors, je voudrais aborder avec vous une autre question. On voit que sur le plan géopolitique, il y a eu des bouleversements euh, importants qui ont été engagés. Bien sûr, la guerre euh, russo-ukrainienne ne sera pas sans conséquence. Vous avez euh, la gouvernance mondiale par les sanctions économiques est un mécanisme de pression politique. Peuvent-elles être considérées comme conformes aux droits internationaux Alors, c'est de nouvelles formes de guerre, c'est-à-dire en guerre, on utilise et on puisse. Sur, euh, de tous les, euh, tous les moyens. On utilise tous les moyens. Vous savez, dans les relations internationales, le droit international est absent. Les relations sont régies par la force, par la domination, par le chantage et par les sanctions économiques. Vous voyez un peu ce qui se passe actuellement en Europe de l'Est. Dernièrement, je, je l'ai dit à une repr un représentant d'une représentation diplomatique étrangère en Algérie très importante, je leur ai dit maintenant vous avez réussi à avoir votre propre Sahel en Europe de l'Est. Avec l'Ukraine, les Européens ont réussi à installer le Sahel au cœur de l'Europe. Vous, avez, euh, vous devez savoir aussi que les quantités très importantes d'armes qui ont été acheminées vers l'Ukraine, une bonne partie de ces armes a été récupérée par des réseaux de contrebande qui sont en train de revendre ce matériel un peu partout euh, en Europe et ailleurs dans d'autres pays. Donc euh, pour que dans les années à venir, les Européens, et aussi bien sûr il y a des conséquences collatérales sur, sur, le, sur, sur le continent africain, Auront à gérer euh, le, un développement de, du banditisme, de la criminalité internationale qui sera sans aucun doute et certainement exponentielle. Et croyez-moi, là, euh, c'est des événements que nous regrettons absolument. Mais il y aura des répercussions sur tous les pays du monde, sur nos frontières également, qui sont devenues aujourd'hui euh, en. Euh... En instabilité avec bien sûr le conflit euh, libyen et aussi euh, le Mali qui est aussi un pays instable, et sans parler bien sûr de l'Ouest où la guerre est déclarée ouvertement à l'Algérie. Oui, c'est vrai, l'instabilité. Je parle de guerre médiatique, bien vous sûr, savez, ou de propagande vous hein, savez, et diplomatique. l'instabilité, euh, elle n'est pas uniquement. Euh, aux frontières de l'Algérie et dans le Sahel, l'instabilité aussi. Quand je vous l'ai dit, dit tout à l'heure. Mais je parle de notre pays. Je vous l'ai dit tout à l'heure, s'installe aussi en Europe l'instabilité. l'instabilité euh, s'installe aussi en Europe et l'Europe, nous avons le Sahel de l'Europe et là personne ne peut, ou ne pourra vous contredire. Maintenant, pour euh, ce qui concerne la sécurité euh, régionale, l'Algérie, bien sûr, il faut le dire qu'au nord du, Maris, euh, du Mali, nous avons constaté euh, le retrait des forces. Barkhane, qui se sont redéployés à Niamey, au Niger. Et là, certaines parties qui, ont, qui soutiennent la présence, française, la présence militaire française au nord du Mali considèrent que depuis le départ des forces militaires françaises, l'instabilité se, se développe encore de plus en plus au nord du Mali, au niveau de, 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 de certaines régions, Bopti, Gao, Tambouctou et de Kidal. Et là, moi, je dirais le contraire. Je dirais que la présence française Barkhane au Mali a duré une dizaine d'années. Elle n'a pas, malheureusement, n'a pas réussi à rétablir la sécurité et la stabilité et c'est ce que nous constatons actuellement et ce que nous, nous vivons euh, en relevant euh, des incursions euh, de temps en temps de certains groupes terroristes qui ont des actions des actions très 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 euh, subversives, des actions euh, qui portent atteinte à la sécurité des personnes et des biens et à la sécurité des États et c'est ce qui déstabilise aussi, aussi beaucoup d'États euh, en Afrique et là c'est des États qui sont appelés à renforcer leur coopération pour lutter contre ce phénomène qui se développe de manière préoccupante. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, euh, M. Hassan rassimi À chacun de ses interventions, le président de la République ne cesse de mettre en exergue le secteur de l'agriculture. Or, sur le plan opérationnel et de façon pratique, il n'y a pas de véritables actions dans le secteur de l'agriculture, secteur euh, nourricier de notre population et garant de notre sécurité alimentaire. C'est primordial de booster ce secteur pour ne plus être dépendant de l'extérieur, parce que c'est ça, les vulnérabilités des États, c'est de leur dépendance par rapport au pays. Vous savez que la dernière réunion du Conseil des ministres, la décision celle qui a été prise, celle d'hier, la décision qui a été prise par le Président de la République, c'est de moderniser le secteur de l'agriculture. Nous avons, absolument et importer nous devons absolument nous devons passer nous devons passer d'exploitation familiale à des exploitations des exploitations économiques euh, viables et modernes qui utilisent pratiquement toutes les techniques les nouvelles techniques en matière de production et de bien sûr d'exploitation de ces euh, de, de ces terres. Je dois vous dire aussi. Et importer un aussi élément des moyens très, très, de collecte très, très important. Nous devons aussi. L'Algérie à l'équivalent de 46 millions d'hectares de terres agricoles, agricoles et nous n'exploitons que l'équivalent de 8 à 9 millions d'hectares. Vous voyez à peu près 9 millions d'hectares qui nous permettent de satisfaire à peu près 73% de, nez, de, de, nos, de nos besoins. 73% de nos besoins, c'est beaucoup. Et là, croyez-moi, que imaginez un seul instant que si l'Algérie arrivait à doubler les superficies euh, des terres agricoles exploitées. Croyez moi que l'Algérie pourrait facilement, et il suffit aussi de mettre en place toutes les conditions, l'Algérie pourrait facilement arriver à une autonomie en matière euh, céréalière, euh, en matière de production de, de viande rouge et blanche, production de lait. Et là, ce sont des objectifs stratégiques qui figurent bien sûr dans le programme d'action du gouvernement et dans la, le, la, la feuille de route du gouvernement qui a été bien sûr instruite pour mettre en place tous ces dispositifs euh, à tous les niveaux. Alors, euh, je voudrais revenir avec vous sur une autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui si l'ANP est euh, la cible d'attaque, bien sûr, euh, de certains euh, euh, activistes sur les réseaux sociaux, le président de la République également. Est-ce que c'est pour porter un peu atteinte à cette, bien sûr, colonne vertébrale du pays C'est ça aujourd'hui, monsieur Kassimi, euh, oui. c'est essayer de semer le doute parmi, bien sûr, euh, les, les, les soldats de l'ANP vous savez nous assistons depuis de longues années depuis des décennies à des tentatives de d'attaque frontale Est-ce que c'est similaire à ce qu'on a connu durant les années 90 avec le Kituki? C'est pratiquement la même chose. Vous savez que la, subvers avec une forme la subversion elle évolue dans le temps et dans l'espace. Et croyez-moi que l'Algérie des années 2022 n'est pas l'Algérie des années 90. L'Algérie des années 2022 revient de loin, elle se consolide, elle a parachevé la mise en place de ses institutions. Mais elle a Elle s'est lancée, bon aussi quand elle est lancée en sur des programmes était... économiques. Euh, ambitieux, stratégique, avec des méga-projets, des méga-projets que, sur lesquels je voudrais dire quelques mots. Nous devons absolument accélérer la cadence de la réalisation de ces, de ces méga-projets qui pourraient peut-être amener à l'Algérie, dans 4 à 5 ans, l'équivalent de 20 milliards de dollars, le port de Chechel, le méga-projet euh, de phosphate euh, de TBSA avec euh, 3 wilayas. De, de, de vous avez également euh, bien sûr le, le projet euh, de Oued de, de zinc et de et et de plan et vous avez aussi euh, et vous avez garage Billet qui est lancé qui est sur, qui est en cours d'exécution et vous avez aussi la dorsale des chemins de fer qui est un projet un méga projet d'un niveau international et l'exploitation des terres à aussi qui doit permettre à l'Algérie de désenclaver le sud-ouest et le sud-est et particulièrement aussi vous avez là où il y a dilisé de Janet de Ingizam et de qui figure aussi dans cette pratiquement dorsale des chemins de fer qui doit désenclaver et permettre de ramener le développement au niveau de ces localités frontalières du, du, de l'extrême sud du pays qui sont très sensibles et, et fragiles. Il y a aussi l'exploitation euh, des terres rares. Alors je voudrais revenir avec vous sur une autre question, celle de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, parallèlement à ces mesures d'exploitation pour un renouveau économique, pour l'émergence euh, de l'Algérie, puisque l'Algérie ambitionne aujourd'hui d'adhérer euh, au BRICS, aux pays euh, du BRICS, les pays en, en émergence, euh, et elle a eu bien sûr euh, l'aval de certains pays qui ont cautionné, comme par exemple la Chine, qui est un pays puissant au niveau euh, du BRICS, conforter le franc interne qui est aussi quelque part fragilisé par euh, certaines euh, pratiques euh, frauduleuses qui veut porter atteinte bien sûr à, euh, à bien sûr la disponibilité par rapport à la disponibilité de certains produits qui parfois euh, ne sont pas euh, en quantité importante sur le marché quel est votre commentaire justement par cette question de l'auditeur qui parle de bien sûr de pratiques spéculatives visant à déstabiliser le pays vous savez que la déstabilisation est, est une pratique qui, qui, que nous avons subi malheureusement depuis On l'a connu de déjà langues, en 2011. De années. Les premiers événements de, de du sucre et de lui. On a essayé de transparaître. il y a des réseaux de contrebande et de criminalité qui ont essayé de faire disparaître des produits de première nécessité, des produits stratégiques bien sûr il y a eu des mesures euh, du gouvernement euh, pour lutter de manière très 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 très, très forte contre ces pratiques frauduleuses, il y a eu des dispositifs législatifs qui ont été mis en place. Les soutiens aux produits pour leur... Qui ont assurer leur disponibilité. Ça de manière substantielle et très forte les sanctions. Et là, je voudrais vous dire une chose au sujet de la consolidation du front intérieur. Vous avez deux aspects très importants. Si nous devons absolument consolider le front intérieur, il y a d'abord euh, renforcer notre gouvernance. Ça, c'est très, très important. Nous devons avoir une gouvernance exemplaire au niveau de... Tous les secteurs par la modernisation, et c'est la modernisation qui introduit la transparence et qui a introduit aussi l'excellence. Vous avez un autre aspect c'est la lutte contre la corruption. Vous savez que la corruption elle menace les fondements de l'état, et nous devons absolument continuer. Bien sûr, il y a eu des dispositifs et un office national de lutte contre la corruption qui existe qui travaillent et des dispositifs législatifs qui ont été mis en place pour mettre l'Algérie à niveau sur le plan international et nous devons encore continuer à lutter contre la, récu, la, la, la corruption de manière de forte, de manière permanente et aussi mettre à l'abri nos institutions contre toutes ces pratiques de déstabilisation et de subversion. Et l'Algérie, euh, un État social par excellence, qui maintient aussi euh, l'aide, euh, bien sûr, aux populations, puisque les subventions directes et indirectes, leur coût est l'équivalent à 18 euh, milliards euh, de dollars. Je voudrais revenir avec vous sur aussi le front interne, mobiliser tous les moyens, puisque le président déjà de la République a annoncé les augmentations de salaire à partir euh, du mois de janvier prochain, qui sont inscrits dans la loi de finances pour l'exercice 2023. Le projet qui a été différé euh, pour un examen euh, la semaine prochaine. Vous savez, Madame Souhila, si vous faites un peu une comparaison avec ce qui se passe un peu dans le monde, et là, vous avez aussi, tous les experts étrangers vous le disent et vous le confirment, qu'il y a peu de pays qui continuent à réguler qui continue à subventionner les produits de première nécessité stratégique et qui continue à distribuer gratuitement des logements sociaux. 30 000 Ça, c'est les, les des mesures français. qui ont été prises par le gouvernement qui ont permis de mettre à l'abri la population algérienne des turbulences et des fluctuations de, de l'inflation qui est redoutable et qui a terrassé des populations entières en Europe aux États-Unis, dans des pays nantis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Amérique et bien d'autres pays. Monsieur Hassan Kassimi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. C est, c est au revoir. Moi qui vous remercie. À demain. Et je remercie nos auditeurs et nos auditrices.